Bonjour. Bonjour. Vous attendiez ce moment depuis impatience. J'avais vu dans beaucoup de commentaires que vous vouliez revoir Tiff du futur. Et... Eh bien, vous avez le droit à Tiff du super futur! Yeah! Donc, partie finale de Banjo et Kazooie. On s'en va battre Grand Tilda. Final boss. En plus de ça, genre, je vais prendre la tête de dire de quoi, genre... Rares sont bons pour les derniers niveaux, je trouve ça écœurant. Comme, mettons dans Banjo-Kazooie, puis mettons Donkey Kong 64, quand tu fais Game Over dans le fond, tu vois une scène de genre, mettons comme Grand Tilda qui transforme la sœur à Banjo, ou dans genre Donkey Kong, on voit genre, mettons, je sais pas, King K. Rool qui est genre, ah, j'exécute mon plan final, blablabla. Pis, tu sais, dans beaucoup de jeux, ça serait genre juste comme un décor qui est pas utilisé en tant que tel dans le jeu, mais ces parties-là sont vraiment montrées. Pis autre chose, t'as beaucoup de jeux que comme Final joue à 100% donne absolument rien, alors que dans Banjo-Kazooie, à l'exception de comme deux pièces de théâtre que t'as pas de besoin, t'as plein de bonus additionnels pis tout ça. Je vous montre tout ça. Le boss final, malade. Pour vrai, genre... T'sais, c'est loin de Mario 64 que c'est juste de prendre Bowser puis pitcher trois fois dans le même coin. Pendant que je faisais le puzzle, là, genre, ça je parlais dans le fond. Cette pièce-là, c'est la pièce qu'on voit dans le Game Over quand que... Je suis capable de le tuer, bon. Cette pièce-là, c'est quand qu'on fait un Game Over, whatever, là, pis que la sœur Ben... Je vais dire la sœur Azuda. Quand la sœur à Banjo, genre, elle se fait transformer, pis tout ça, fait que... Non, c'est quand même cool qu'il rajoute cette pièce-là, qui est vraiment accessible. Sinon, autre que ça, genre, carrément... c'est une scène qui est drôle aussi, là. Phew, c'est bien dégueulasse comme odeur. Oh, visiteur du Dinkpot. J'aime mon visiteur. Je me demandais, genre, d'où venait l'odeur de sewer, c'est comme en français, d'égout. Mais en tout cas, whatever, genre, bref, comme même le pot, il est juste comme, ok, je suis tanné, genre, Grunty fait juste mettre de la merde dans mon pot, pis genre, je vais vous aider à, genre, vous en débarrasser. Fait que là, dans le fond, c'est ça, le pot, il dit carrément, genre, jumpez dans moi, là, pis je vous shoot en haut, genre, allez affronter Grunty. Mais autre que le long dialogue, genre, il y a encore d'autres portes de musique en arrière qu'on peut débloquer, genre, si on a assez de notes de musique. Si je me trompe pas, c'est trois d'entre elles, c'est juste pour des... ouais, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est juste pour refill au maximum toutes tes plumes avant le boss fight. Ça fait que si jamais on n'avait pas, genre, toutes ces notes-là, il faudrait aller les chercher un à un. Là, c'est pas pire, il nous manquait juste trois plumes. Des œufs, il nous en manquait genre une quarantaine. Qu'on n'a pas en double, by the way, parce que genre, j'ai pas trouvé de Cheeto pour double egg. Et juste cette pièce-là, je pense que c'est le meilleur reward de complétionniste. Double life. T'as juste carrément le double de points de vie, genre. C'est débloqué, that's it, you got it. Fait que. Je comprends pourquoi qu'il donnait pas genre un point de vie de plus. Puis je pense qu'il manque une porte. Ouais, il manque celle-là ici. Fait que je pense que ça prend genre juste 880 notes, quelque chose de même. Fait que comme à 20 notes près, genre pour finir. Fait que on va se faire une petite sauvegarde au cas où que je meurs pendant le boss fight. Puis après ça, genre on commence le boss fight. Fait que j'espère que vous êtes contents. Genre, Tiff du super futur qui est revenu. Genre, Tiff, il a pas pu se payer Tiff du futur, mais il se paye Tiff du super futur parce que, genre, je suis encore plus dans le trou que Tiff du futur. C'est malade. Fait que vous allez assister à un combat de Nintendo 64 qui est meilleur que, genre, juste, genre, Bad Bowser le pitcher trois fois de suite. C'est en plusieurs phases. La première phase, c'est Grand Tilda qui te fonce dessus, genre, deux, trois fois. Après ça, genre, tu le ratatatap! Ratatatap, c'est l'attaque, genre, que j'ai manqué de faire. By the way, genre, pour ma défense, je vois extrêmement mal. Pis genre, c'est ça, j'ai juste ça à dire. Fait que c'est pas un bon boss de Nintendo parce que ça prend plus que 3 coups par étape. Genre, je pense que c'est 4 coups par étape. Fait que le combat, il y a vraiment de la consistance, tu sais.
La musique qui est juste insane. Mais genre, tu sais, y a pas grand tune dans ce jeu là qui est pas mémorable ou méga bonne. Fait que première phase de fini. Là, ça, je vais être capable de l'éviter, genre, sur ma pratique. Ok, ça fait qu'on dirait que c'est comme pas évitable, ça. Oh non, ok, faut que je me mette invincible, je viens de comprendre. Parce qu'elle refait cette attaque-là une couple de fois. Là, ça de même. Là, en théorie, si je savais pas viser, faudrait, genre, on manquerait probablement d'œufs, mais genre, c'est pas si pire que ça. C'est juste 3 œufs qu'il faut pogner. J'ai bien fait de sauvegarder. J'ai bien fait de sauvegarder avant le boss. Ok, dernier coup. Parfait. Ok, c'est ça. Fait que c'est la seule façon de pas se manger les dégâts, c'est de se mettre à Wonder Wing. Good. On va essayer de la pré-shot. Essayer de se rendre la vie un peu facile. Parce que là je m'inquiète là qui est easy, mais c'est pas si facile que ça. Puis en plus de ça, genre à chaque fois que qu'elle se déplace, genre elle devient de plus en plus précise, puis elle tire plus rapidement. Fait. Ok. Ah, ok. Ok, cool. Alright. Fait que, encore une. Là, on est rendu à la troisième partie du boss. Encore, genre. T'sais, le dernier boss nous fait vraiment, genre, utiliser quasiment tous les moves du jeu. Genre, c'est quand. Je trouve ça cool, un boss qui fait ça. Genre. Limite. Ben, ça. C'est un peu. Ouais, dans le fond, c'est un peu comme, mettons, Tears of the Kingdom ou whatever. Genre, le boss contre Ganon, genre, tu fais pas mal utiliser quasiment tous tes moves pis tout. Pis. Tu sais, je pense que c'est ça qui est cool d'un final boss, c'est quand le final boss est vraiment challenging pis te demande. Prends tout qu'est-ce que tu connais pis. Même autre que le boss contre Grand Tilda, genre, parce que là, ça, c'est plus des skills, genre, de combat qui te demandent d'utiliser. Oh boy, j'ai eu peur que ce soit la fin de même, là. Genre, je pense que j'aurais pleuré à recommencer ça de même. Mais tu sais, genre, autre que les skills de gameplay, le jeu te demande aussi de comme connaître le jeu, genre, en termes de secrets ou d'images ou de musique ou whatever. Fait que tu sais, ce jeu-là, je le trouve juste vraiment cool. Genre, sorry, les deux derniers épisodes, c'est vraiment juste moi qui est comme « Aïe, 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 le jeu, il est vraiment cool, genre! » Puis un dernier coup. Est-ce qu'on va l'avoir plus rapidement que les trois premiers coups? Il était vite. Ah ouais. Good! Ok, j'étais comme crime. Je l'ai pas pogné genre 4 fois. Fait que là, on peut aller se redropper sur le plancher parce que de toute façon, elle est invincible. Fait qu'elle va nous pitcher plein d'affaires. Puis genre, nous, il faut juste qu'on les évite. Là, on essaie de comme pas mourir là-dessus. Genre justement, comme je m'étais fait une petite pratique avant de commencer le recording, puis genre, c'est là que je suis mort. Genre, il faut qu'on libère les Jinjo en crachant des œufs, mais comme... T'sais, c'est ça que je dis, à chaque petite étape qu'on avance, plus qu'elle fait juste garrocher du stock, genre... Fait que comme, tu sais, c'est vraiment un boss fight qui est challenging, pis c'est pas, tu feels pas que c'est comme du random bullshit go, un peu comme, ça, j'ai ça, mon joystick arrête pas de faire d'autres choses. Ça. Ah oh ben.
J'essaie de rester droit, puis vu que comme c'est un joystick et non des pitons, il fait juste genre virer la caméra en même temps. Et... j'en profite quand elle se fait frapper, comme ça, genre... elle arrête de me tirer un instant. Ok, je suis good, je suis good. Là, la pièce de résistance, le Jinjo-nator, genre... ouais. Elle finit ce combat sur ses jambes pour vrai? Hey, j'avais oublié cette étape-là. Ok. On va abuser du fait qu'on a genre infinie plume quasiment. Parfait. Ok. I am the mighty Jinjo-nator! Activate me, Benjo! Genre, t'es juste un fucking genre Jinjo géant, genre... come on, come on, come on, come on, come on. Oh non, 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 s'il te plaît. Ah non, ah non, on l'aura pas, on l'aura pas. Oh non, non, s'il te plaît. Oh, wark, oh, wark. Ah! Ok. Puis on s'enligne directement pour crasher dans le Jinjo-nator. Ou genre, il me mettra pas du bon bord, ok. Ok, j'aime comment tantôt, genre, c'était vraiment genre, je me fais déglinguer ben raide, pis là, genre, tout d'un coup, c'était faisable. C'est quand même une des feuilles les plus cool de c'est juste cool. Pis j'aime qu'elle bouge pas, elle reste juste là, pis c'est comme, bah, ben, je suis dans la marde, hein. Genre sans blague, ceux qui ont fait le jeu, ils doivent avoir eu du fun en crif à faire le jeu. Ouais, parce qu'elle est pas morte. Elle est pas morte. Pis genre... spoiler alert, dans le 2, genre, carrément, comme... t'as Klongo, le scientifique, qui est dans la cotine, qui genre, qui pousse le rocher, pis que genre, legit, est encore là, comme... c'est juste tellement ridicule, pis j'adore! Fait que si jamais on joue à Banjo-Kazooie 2 sur ce channel-là, genre... on va voir, genre, que comme... le trou, il est legit là, pour dans le 2 pis tout. Fait que voici la fin cachée quand on a genre le jeu à 100%. Hop. Restez hydratés les enfants. C'est bien, on a fini maintenant. On peut relaxer tout petit. Bien sûr, Benjo. Maintenant, vous êtes des héros.
T'as-tu entendu ça, le petit? On est des héros. Genre, lui, là, le nain. La petite personne. On n'emploiera pas des méchants mots, quand même. Ah, c'est dans des moments nains que je suis juste vraiment triste de pas avoir mis le jeu en français. Genre, j'ai de la misère à traduire ça mot pour mot, genre, rapidement de même. Fait que là, on a accès au vrai crédit, genre. Je pense. Y a-t-il une différence entre les crédits, genre, de l'épisode d'hier pis d'aujourd'hui? Je pense les mêmes crédits. Je peux-tu les skip? En tout cas, si vous voulez voir les crédits, allez voir ma vidéo de 35 minutes, genre, de moi qui fait l'épisode 24, genre... Whatever. On va skipper probablement à la fin, puis... Parce qu'il y a une petite scène cachée après, là, fait que... On se revoit à la petite scène cachée. Où je peux... Non, dans le fond, hey guys! Non, je vais faire un petit review comme j'ai fait à Tears of the Kingdom. Fait que guys, first of all, c'est un jeu à jouer. Genre, Banjo-Kazooie, c'est un jeu que je conseille à tous. Le jeu même, genre... 20 ans après son release, il est encore jouable, pis il feel pas clunky as fuck. Le jeu, par contre, je conseille de le faire à 100%, pis de prendre son temps, pis d'enjoy le jeu, pis de le mettre dans son langage de prédilection, pis de le lire, parce que pour vrai... J'ai pas assez couvert qu'est-ce que les personnages disaient parce que genre j'étais sur le gameplay, j'étais sur le commentaire pis tout ça. Mais ça vaut la peine de lire chacun des messages, des réponses stupides de chacun des personnages pis tout ça. Comme le jeu est ultra sarcastique pis débile. Pis comme je dis, c'est un jeu à faire quand vous avez du temps. Pis vous prenez ça relax, vous faites le jeu genre morceau par morceau. Moi, ben, vu qu'il fallait que je fasse des formats 15 minutes, ben, c'était go. Mais, tu sais, c'est un jeu qui est le fun à explorer, pis y'a pas trop d'affaires que c'est comme, ah, ok, il fallait vraiment le savoir. Non, les choses sont quand même intuitives. Pis, tu sais, c'est un des rares jeux que, haha, la compagnie s'appelle Rare. Non, mais c'est un des rares jeux que, genre, finir le jeu à 100% vaut vraiment la peine. T'as des bonus pis tout, comme le Double Life, pour vrai, comme limite le Double Life, il est utile pour finir le jeu, genre, si t'as pas le Double... Comme c'est pas cheaté, autrement dit, là. Justement, pendant que je finissais, genre, le Jinjo-Nator, j'étais comme, jeez, comme le monde qui a pas ramassé d'upgrade de point de vue, whatever, ça doit être l'enfer. Ah, ça, c'est une autre affaire qui est cool, qui est drôle. Quand que tu pognes la barre de vie rouge, comme, même si t'avais pas tous les points de vie additionnels, c'est pas grave, genre, ça te les donne directement. Fait que, ouais. Non, pas les bons verts, les bébés de verre, non! Mais, non, c'est hands down un jeu, genre, que je conseille à tout le monde. Et même si... Même si vous avez vu mon playthrough, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine de jouer pareil parce que c'est juste cool. Le jeu, il est juste cool pis agréable pis genre, il est pas trop long. Il y a pas trop de choses random à ramasser. Comme, tu sais, mettons, une des affaires pourquoi que je ferais pas probablement genre Donkey Kong 64 ou Mario Sunshine à 100%, c'est qu'il y a comme trop de stock à ramasser. Je pense que Mario Sunshine, le problème, c'est les pièces bleues, genre, fait que très probablement, on fera pas le jeu à 100%, pis Donkey Kong 64, si on y joue éventuellement, genre, je vise pas 100, le 101%, je pense. Genre, t'as comme 201 bananes dedans, pis t'as genre 500 petites bananes. Comme, tu sais, là, on a 100 pièces de musique à ramasser, mais là, genre, dans Donkey Kong 64, t'as genre Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Chunky Kong, pis l'autre. Laurent autant. Mais, tu sais, genre, t'as comme 100 bananes à ramasser pour chacun d'eux autres, pis c'est juste too much, c'est juste trop. C'était cool dans le temps, parce que, comme, on s'entend que c'était un des plus gros jeux sur Nintendo 64, là, dans le sens que, genre, il était long à finir, mais, genre, justement, là, le jeu Donkey Kong a comme plus de 20 ans, là, je pense que le monde l'ont fini, pis, genre, juste décidé de le refaire à 100%, c'est comme bon, ben.
justement, je pense que Ulysse me parlait comme quoi qu'un streamer justement qui était en train de le faire, genre, ou qui était en train de le faire pendant qu'on faisait Banjo-Kazooie. Genre. Puis c'est un speedrunner en plus, fait que comme. Ça a l'air que ça faisait une couple de stream qui était déjà là-dessus, fait que c'est long, c'est long. Mais pas aussi long que les crédits, hein? Ben là, j'ai plus rien à dire. Sinon, guys, je vous souhaite une bonne semaine de vacances, pas de vidéo. Très probablement, ça va être Mario Sunshine qu'on va jouer comme série hebdomadaire. Ben, quotidienne, en fait. Puis, c'est pas mal ça. Les lives vont avoir lieu pareil, fait que... c'est tellement long que la Switch se met en mode veille. Mais, non, c'est ça. Fait que très probablement, on va... Non, pas très probablement, mais on va faire des lives pareils avec... même si on fait pas de vidéo en tant que telle quotidienne. Il y aura pas de short, par contre. Oh shit, pas de short. Bon, la scène cachée! Hey, Mambo a un secret, a des photos secrètes pour toi. Ah, nice one, homme d'os. J'ai des photos de choses que tu as manqué dans le jeu. Wow, as-tu entendu ça, Kazooie? Il y a d'autres choses encore. Ouais. J'ai les 100 pièces de puzzle. Oui, c'est ça, il faut shadower déjà, genre Banjo-Kazooie 2, genre... Pis que comme, si tu ramassais les secrets, genre, ça laisse s'enligner sur le deuxième jeu. Pis ça, j'en avais déjà parlé vite. Malheureusement, comme la Nintendo 64, ça marchait pas de faire ça d'un jeu à l'autre. Ah, oh, mais je me demande avec l'émulateur, par contre. Je pense pas. Je pense que même avec l'émulateur, ils ont pas réussi à faire fonctionner Stop and Swap. Faudrait j'aille vérifier, là. Ah, oh, mais Tooie, il est même pas sur... Ok, ouais, non, laisse faire Tooie, il est même pas là-dessus, fait que... Ah, ok, c'est ça. La montagne, elle réapparaît drette là, ok. J'aime qu'il va vraiment, genre, nous montrer toute la montée sans nous montrer c'est quoi qu'il y a sur le top. Je suis sûr et certain qu'on verra pas, genre, c'est quoi qui se cache en haut de la montagne. Ah, ok, non, ok, il monte. Ok, cool. Là, ils vont montrer la clé de glace que sert à ouvrir, je sais pas trop quoi, dans deux, je m'en rappelle plus. Check la version Xbox. Si vous pouvez mettre la main sur la version Xbox 360, qui est aussi, genre, compatible avec Xbox One, c'est la meilleure façon de jouer à ce jeu-là, honnêtement. Surtout parce que, genre, y a le stop and swap fonctionne comme du monde. Mais là, il y avait un mur de glace, mais là, le mur de glace est plus là, puis on peut aller chercher la clé de glace. Oui, c'est vrai, il y avait une porte là, puis je sais comme à quoi ça servait déjà. Comme ça, c'est tout intuitif, genre, durant. C'est comme. Il y a plein d'indices directs dans le jeu, genre, qui te montrent toutes ces affaires-là. Mais. Ah, c'est bien long comme segment, genre. Moi, j'aurais juste mis, genre, les portes. Les portes qui étaient pas ouvertes ou whatever. Mais c'est parce que là, t'as genre 3 autres œufs de même, je pense que c'est 5 œufs pis une clé. Ok, non, c'est juste 3 œufs pis une clé. Ou 2 œufs, je sais pas. Ouais, c'est ça, il dit pas qu'est-ce que ça fait, mais tu vas comprendre ce que ça fait dans le 2. Bon. Oui, j'avais oublié ça, hein. Hey, c'est douloureusement long, ça. Donc, guys, c'est tout. On vient de finir un autre jeu. Je pense que c'est comme le 5e jeu qu'on finit, genre, sur la chaîne. C'est le 5e?
Laissez-moi confirmer. Ouais, cinquième jeu qu'on finit, c'est débile. Je pense qu'on est rendu quasiment au sixième mois de cette chaîne-là, puis déjà 5 jeux complets terminés, c'est... Regarde, c'est hot. Fait que, on se donne une semaine de vacances. Les lives vont être présents quand même lundi puis jeudi. Puis on se revoit la deuxième semaine d'octobre sur probablement Mario Sunshine, dépendant de qu'est-ce que vous avez voté dans la section communauté de la chaîne. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, une criffe de belle fin de semaine, puis on se dit à lundi pour le live. Ça vous autres. Ciao.